Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a présidé samedi la cérémonie d'inauguration du tout nouveau pont qui porte son nom, reliant les quartiers emblématiques du plateau et de Cocody à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La cérémonie a débuté par un moment de recueillement en hommage à l'ancien président Henri Konan Bédier, suivi par un discours du président Ouattara. Le président a exprimé sa satisfaction quant à la transformation continue de la ville d'Abidjan, qui se modernise et s'embellit jour après jour avec ses plus de 6 millions d'habitants. Le président Ouattara a rappelé les propos de son prédécesseur, soulignant que le pont Henri Konan Bédier avait été considéré comme un gage de succès électoral, et a ajouté que le nouveau pont Alassane Ouattara représente, selon lui, une réalisation d'envergure qui vaut plusieurs autres mandats. À l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bédier, mon aîné avait dit « Cet ouvrage, ce pont vaut un autre mandat. » Il avait des formules simples. Donc moi je dirais que ce pont vaut plusieurs autres mandats, a déclaré Alassane Ouattara. Pour lui, cet ouvrage qui constitue un atout touristique de premier ordre de notre pays, est le fruit de la collaboration entre des hommes et des structures, saluant la qualité de Pierre Fakouri. A noter qu'après l'ouverture du pont Henri Konan Bédier en 2014, et autres infrastructures à Abidjan, cet édifice architectural, qui relie désormais la commune du plateau à celle de Cocody, est non seulement une prouesse d'ingénierie, mais il est également destiné à devenir un atout touristique majeur pour le pays.